sont pas en train d'attendre une célèbre star du rock. Ce matin, les abords du Zénith se sont transformés en piste pour les bolides, en QG pour les pilotes. Dans le parc d'assistance, il y a les grosses écuries qui carburent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Elles se reconnaissent à la fouille qui attend devant, aux journalistes qui tournent autour ou encore aux enfants qui crient les noms de leurs pilotes préférés, des pilotes inaccessibles. D'autres, tout aussi célèbres, ne parviennent plus à lâcher la séance d'autographe improvisée. À quelques pas de là, les autres équipages, loin de toutes les attentions. Champion de France, Nicolas Klinger n'a pas l'habitude de prendre le départ dans ces conditions. C'est bien, on est à l'écart, on est tranquille, on n'a aucune pression. Le seul petit problème, c'est qu'avec le numéro qu'on a et sans priorité de la Fédération Internationale, on est obligé de partir un peu en retrait. Donc on aura une route qui sera beaucoup plus sale. Et en fait, c'est ça le seul problème. Après, le reste, justement, on est tranquille. On n'a pas de parade de pilote, pas de séance d'autographe, on n'a rien. On est dans notre coin et on fait notre rallye avec notre équipe, donc c'est top. Le rallye, c'est aussi de plus en plus de structures professionnelles. AK Compétition s'est servi de l'événement pour grandir. Il y a 3 ans, la structure alsacienne ne s'occupait que d'une seule voiture. Aujourd'hui, elle en a 5 à charge. Mais que l'on s'appelle Citroën ou AK Compétition, le boulot des mécaniciens est le même. Il faut juste s'adapter à ses moyens et ne pas se laisser impressionner. C'est toujours très flatteur de pouvoir partager le parc d'assistance avec des grosses équipes comme Citroën Sport, des Ford, M-Sport, etc. Donc c'est toujours ça fait toujours quelque chose et voilà, maintenant on est dans notre milieu, on a notre structure, il faut qu'on fasse du très bon boulot et on va peut-être aussi justement prendre des infos à côté, voir comment eux ils peuvent fonctionner comme les grandes équipes font. Et nous, on a d'autres façons de faire et on sait faire, on va faire. Le rallye de France, c'est aussi quelques amateurs. Dans la vie, Cyril Janière est pharmacien. C'est son premier rallye WRC, il s'apprête à prendre le volant sans pression. Je vais rouler à mon rythme, juste pour se faire plaisir et juste être vraiment dans le rallye quand même. Jusqu'à samedi, on va dire fin d'après-midi, je suis carrément chez moi, donc ça c'est très bien. Après, il y a Seb qui fait certainement son dernier rallye, on n'espère pas, mais c'est, je pense, bientôt terminé pour lui. C'est comme un mariage, faut en profiter le jour J, quoi. Cyril Janière ne risque pas de croiser l'UB au cours des spéciales, mais l'amateur ne cache pas son admiration pour le champion alsacien. De la star à l'amateur, tout ce petit monde se côtoie jusqu'à dimanche au Zénith.